Bonjour tout le monde. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sébastien, j'ai 50 ans. Et j'ai une petite chaîne YouTube là, qui explique un petit peu ma vie ici au Québec, où je suis depuis 7 ans. Voilà, en tant que camionneur, comme on dit ici. Sauf que là, aujourd'hui, présentement, là, je suis à Midland, au Texas. Voilà. Je vis demain matin à Midland, de machinerie au Texas, et ensuite j'en charge à Denison, au nord de Dallas, pour Fermont, dans le nord du Québec, en frontière de... du Labrador, pardon. Donc voilà. Bon, j'espère que le son va être bon. On verra bien. Cette petite vidéo particulière où je vais faire appel à la solidarité dans le monde du transport. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques années, je suis rentré en contact, enfin du moins c'est la personne qui est rentrée en contact avec moi, même si c'est moi qui rentre en contact avec tout le monde via les vidéos. Un abonné qui s'appelle Esteban, qui est de Rouen, qui aujourd'hui a 25 ans, est rentré en contact avec moi parce que ça me faisait rêver un petit peu les vidéos, mon job ici. Désolé pour le bruit, hein, mais j'ai voulu faire cette vidéo là comme ça, dans le vif du sujet. Donc voilà. Et en fait, Esteban m'avait dit, bah regarde Seb, voilà, je suis handicapé, mais j'ai un rêve un jour, c'est de conduire un camion. Et je dis, Esteban, j'ai demandé de me parler un petit peu de son handicap, et en fait, il est handicapé moteur uniquement au niveau des jambes, mais il peut quand même utiliser ses jambes. Donc je dis, mais ton handicap, c'est pas un frein. Aujourd'hui, on fait des véhicules et des équipements pour que des personnes handicapées, à mobilité réduite du moins, j'emploie pas forcément les bons termes, hein, je m'excuse si j'offense certaines personnes à mobilité réduite, mais en tout cas, c'est voilà. Donc il a une mobilité réduite, mais pas très importante, on va dire, certainement handicapante, mais pas très importante au niveau des jambes. Donc, c'est-à-dire que Esteban se déplace en chaise roulante, mais admettons, il peut marcher le long d'un mur ou le long de quelque chose, le long d'une remorque, le long d'un camion, il se déplace aisément. Et donc j'ai dit à Esteban, mais tu peux conduire un camion. Et bah, en fait, il n'a jamais rien lâché, Esteban. Et aujourd'hui, il se bat. Depuis quelques mois, il se bat avec le système médical, pas médical, mais sécurité sociale, je ne sais pas exactement qui gère tout ça, pour pouvoir passer ses permis poids lourds. Et à force de se battre, et ben, il a pris rendez-vous avec... enfin, il a rencontré à plusieurs reprises l'AFTRAL de Rennes, là où il a fait des tests afin d'évaluer si il a les capacités pour conduire un véhicule lourd, donc un 44 tonnes, un EEC comme on dit en France, ou un classe 1 ici. Et bien il s'avère que oui, il est vraiment capable de conduire. Donc il conduit une boîte automatique bien évidemment, mais il conduit très bien. Il a fait tous les tests, il les a pas tous passés avec succès, même ceux, les arrêts d'urgence et tout ça, là faut être enfin, moins d'une seconde de réaction, il est à 0,6, donc il est très bon. Et puis donc il a passé tous les examens avec succès. Donc il a fait les démarches pour passer donc le permis poids lourd, sa formation, et tout a été accepté. Aujourd'hui il ne lui manque plus qu'une chose, c'est de trouver un employeur qui lui fasse une promesse d'embauche, et s'il obtient cette promesse d'embauche, cette promesse d'embauche de la part d'un employeur en France, toute sa formation va être mise en route. Voilà. C'est-à-dire que la formation, elle est acceptée. La seule chose qui lui manque, c'est de trouver un employeur qui accepte de lui faire une offre d'emploi, une promesse d'embauche. Quand il a ce sésame-là, la formation va débuter. Voilà. Ok. La seule chose dont Esteban a besoin, évidemment c'est d'un camion, ça va de soi et d'un employeur, mais pour pouvoir travailler, il va y avoir un équipement qui va être installé, qui va devoir être installé sur le camion, comme une espèce de petite plateforme pour monter Esteban et son fauteuil roulant. Voilà, ok. Mais l'investissement qui va être demandé pour l'employeur, en fait l'employeur ne va rien payer, c'est l'AGFIP, ouais c'est ça, AGFIP, qui va financer tout cela. Donc à part prendre du temps à l'employeur, ça ne va rien lui coûter. Ok.
Donc en gros, le but de la vidéo, c'est de trouver un employeur, Esteban est de Rouen, c'est de trouver un employeur qui accepterait de faire une offre, une promesse d'embauche à Esteban afin de pouvoir commencer cette formation. Ensuite, Esteban irait travailler dans cette compagnie qui, au préalable, avant qu'il vienne travailler, aura fait l'installation sur le camion qui lui sera attitré de tout ce qu'il faut pour qu'il puisse travailler. Esteban se déplace, encore une fois, comme je disais, il m'a dit de vous dire, il n'est pas en sucre, le gars. Moi, je peux vous dire, je l'ai vu se déplacer en marchant, en vidéo, en chaise roulante. Effectivement, il n'est pas en sucre, le garçon. Il a juste des difficultés à se déplacer. Voilà. Et croyez-moi, le handicap, il l'a que là. Parce que la tête, elle fonctionne très, très bien. C'est un gars intelligent qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Je ne sais pas si là, l'expression est... bonne là pour le coup, mais bon, peu importe. Donc voilà. Donc en gros, Esteban est capable de défaire des twistlocks sur un châssis de porte-container. Il est capable d'ouvrir des portes d'un fourgon ou d'un frigo. Il est capable de décrocher, raccrocher. Donc voilà, Esteban sait faire tout ça. Il parle le français couramment, il parle l'espagnol couramment et il parle très bien l'anglais. Il est disposé à faire du national, du régional et de l'international. Voilà, ok. Et idéalement, la compagnie, si elle est située à Rouen, c'est top. Mais si c'est une compagnie d'ailleurs qui l'autorise à rentrer avec le camion dans un endroit bien défini, proche de Rouen, c'est cool. Donc voilà. Alors moi, j'ai des contacts en France. Je vais essayer de rentrer... de rentrer en contact justement avec ces gens-là. Je pense entre autres au Transport Robin, que plein connaissent, qui se trouve à Bréal-sous-Montfort, et qui ont une agence à, je ne sais plus si c'est à Rouen ou Le Havre, mais je crois que c'est Rouen ou Le Havre. Non, c'est peut-être Le Havre. Mais bon, voilà. Je vais essayer de rentrer en contact avec eux parce que j'ai très bien connu Marcel Aubin, le fondateur de la compagnie qu'on appelle Patate. Et je vais essayer de rentrer en contact avec lui. Aujourd'hui, c'est ses enfants qui gèrent la compagnie. Ces deux garçons, et je vais essayer de rentrer en contact avec eux et puis d'autres. Voilà, je vais... En tout cas, cette vidéo-là, je veux qu'elle serve à prouver qu'aujourd'hui, il y a encore de la solidarité dans le monde du transport. Parce qu'il y en a encore, c'est sûr. Même si ça se perd, il y en a encore. Et là, c'est juste pour aider un jeune qui veut travailler. On dit souvent, ouais, les jeunes, ils veulent pas travailler. Et bien, Esteban, c'est tout le contraire. Voilà, Esteban, il veut travailler. Et il veut conduire un camion. Voilà, c'est juste qu'il ne pourra pas attacher des sangles sur un plateau. Désolé s'il y a du vent, là ça souffle un petit peu. Pas attacher des sangles sur un plateau, il ne pourra pas faire de porte-engin, il ne pourra pas porter de la viande, tirer sur des palettes, tout ça vous oubliez. Mais des relais, du fourgon où il ne touche à rien, du frigo où il ne touche à rien, du conteneur, tout ça il peut faire. Voilà. Et... pour le connaître depuis maintenant quelques temps, je peux vous assurer qu'il a une grosse, grosse envie de travailler. Il veut vraiment aller au bout de ses rêves. Donc conduire un camion lourd aujourd'hui en France. Donc je vais vous demander de faire tourner cette petite vidéo, voilà, pour trouver un employeur qui accepterait de faire une promesse d'embauche à Esteban et d'engager un chauffeur donc qui est... handicapé moteur au niveau des jambes, il y a mobilité réduite et voilà, il y aura un aménagement, donc je répète, à faire sur le camion qui sera entièrement financé par la GFIP, donc rien à la charge de l'employeur, juste du temps. Et voilà, si ça se fait, si on trouve l'employeur, moi évidemment je parlerai de cet employeur, même si j'ai aucun impact en France, parce que la chaîne, même si j'ai eu 35 000 abonnés aujourd'hui, j'en ai que 6 000 je crois, ou 7 000, bref. Donc, je veux dire, ça n'aura aucun impact, mais en tout cas, je parlerai comme en bien du transporteur qui le fera, et je parlerai aussi en bien de ce transporteur. Là, il y a une grosse chaîne nationale française qui est rentrée en contact avec moi pour faire un petit reportage sur ma vie ici. Et je parlerai de ce transporteur si le projet a abouti. Sur le petit reportage qui sera fait sur la grande chaîne. Voilà. Donc en résumé,
Esteban, 25 ans. Il a le syndrome de Little. Donc un léger handicap au niveau des jambes. Il ne peut pas marcher longtemps et seul. Il est obligé de s'appuyer quelque part ou alors de se déplacer en chaise roulante. Mais il se sert très bien de sa tête, de ses mains et de tout le reste. Ok. Il conduit un véhicule automatique. Il a une voiture hybride. Il conduit en automatique. Même si ce n'est pas une boîte automatique, mais un variateur. Mais voilà, il peut très bien conduire tout véhicule en boîte automatique. Il a fait tous les tests nécessaires auprès de l'Astral de Rennes. Et donc, la seule chose qui lui manque, c'est un employeur qui accepterait d'investir du temps dans son projet à lui. Tout sera financé. Les installations à mettre sur le camion seront financées. Voilà. Si jamais vous entendez parler de quelque chose ou qu'il y a un employeur qui me regarde, là, je sais qu'il y en a quelques-uns, et qui serait intéressé par le projet, écrivez-moi sur parabraise@gmail.com, P-A-R-A-B-R-E-I-Z-H, para comme parachutiste, et braise comme Bretagne en breton, parabraise@gmail.com, et surtout, très important, mettez sujet, Esteban, parce que je reçois énormément de mails, parce que j'aide énormément de gens pour venir ici, entre autres, d'autres, pour d'autres choses. Et j'ai pas envie de zapper quelque chose d'intéressant. Donc surtout n'oubliez pas de mettre en sujet Esteban dans le mail que vous me enverrez donc sur parabraise@gmail.com. Faites tourner la vidéo, parlez-en autour de vous et montrons que dans le transport en France, même si moi j'y suis plus aujourd'hui, il y a toujours une certaine solidarité. Voilà. Esteban, je mettrai la photo dans la vidéo là, donc c'est le gars que vous voyez depuis le début dans le coin là. Là ou là, je sais pas, enfin il sera certainement dans un coin de l'écran. Voilà, c'est Esteban, voilà, 25 ans, de Rouen, qui cherche un employeur pour l'aider à aboutir son projet. Voilà. Merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, j'espère que ces projets vont aboutir. Et ça me tient pas mal à cœur parce que il mérite le respect, quoi. Voilà. Simplement, il mérite le respect parce qu'il a vraiment envie de travailler, il a vraiment d'aller au bout de ses rêves. Donc, aidons-le. Je vous embrasse pas, mes cœurillés, et prenez soin de vous. À tantôt. Believe in good vibrations.